La section des droits de l'homme de la MINUSCA a échangé le 27 juillet 2022 avec les organisations de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme sur les rapports publiés par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme relatifs aux attaques du 6 au 13 décembre 2021 dans la commune de Boyo, à 120 km de Bambari, et sur les violences sexuelles dans les préfectures du Mbomou et de la Haute-Koto. C'est plutôt des décisions sur les actions qui doivent être prises. Donc un des premiers éléments pour pouvoir prendre action, c'est d'être correctement informé. C'est aussi des actions de plaidoyer auprès des gouvernements, des actions d'assistance pour ceux qui ont un mandat d'assistance, et puis aussi des actions relatives à l'amélioration de l'espace civique dans le pays. Cette rencontre a pour objectif de partager avec les organisations de la société civile le contenu des deux rapports, de discuter sur les recommandations, les besoins en matière de plaidoyer, d'appui aux victimes. Il nous appartient de la société civile de voir comment nous pouvons être ensemble afin d'examiner ce rapport, ces deux rapports, pour nous permettre également de voir les recommandations faites par la MINUSCA à l'endroit du gouvernement, pour essayer de voir également de notre côté, de voir avec le gouvernement pour faire des plaidoyers pour que le gouvernement essaie de changer aussi ou changer un peu sa mentalité de réaction sur le terrain pour voir comment on peut protéger les civils qui se trouvent dans les localités lointaines des grandes villes. Il est important de rappeler que la localité de Boyo, dans la préfecture de la Ouaka, a connu des incidents graves du 6 au 13 décembre 2021 avec une quinzaine de civils tués et des cas de blessures, d'extorsion et de destruction d'habitations et près de 1500 personnes déplacées. Ce que j'ai à dire, c'est de plaider auprès du gouvernement pour qu'il puisse prendre ses responsabilités afin de prévenir des conflits qui sont sur le terrain, parce que là, dans ce rapport, on a ciblé certaines zones. Or, nous savons très pertinemment que dans plusieurs localités de notre pays, dans plusieurs préfectures, il y a encore des groupes armés, tant bien même qu'il y avait déjà la signature d'un accord pour pouvoir mettre fin à ce qui se passe sur le terrain. Mais nous voyons que l'impunité est encore aggravée et les gens sur le terrain continuent de faire beaucoup de choses, des viols et des violences sur les femmes. Selon la conclusion de ces rapports à Boyo et dans les préfectures du Mbomou et de la Haute-Koto, il a été documenté que plusieurs femmes ont été victimes de viols, plusieurs personnes ont été tuées, des personnes ont disparu, un centre de santé a été saccagé et pillé et des centaines de maisons ont été incendiées.